Dieu, viens à mon aide. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes liturgiques de ce vendredi 13 novembre, lus par la sœur Nadia Abogno, MDA, et le diacre Barthélemy Noumati, SMA, commenté par le père Benoît Modi, SMA. Lecture de la deuxième lettre de Saint Jean. Moi, l'ancien, à la dame élue de Dieu et à ses enfants que j'aime en vérité. J'ai eu beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, dame élue, je t'adresse une demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce que je t'écris là n'est pas un commandement nouveau. Nous l'avions depuis le commencement. Or, l'amour, c'est que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devez marcher, comme depuis le commencement vous l'avez appris.
Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit de notre travail, mais pour recevoir intégralement votre salaire. Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Parole du Seigneur. Psaume 118. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. De tout cœur je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je te conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 17, versets 26 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit.
L'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Nous tendons progressivement vers la fin de l'année liturgique et les textes de l'Évangile à cette période nous présentent les déclarations de Jésus sur la fin des temps. L'Évangile d'aujourd'hui fait partie de la réponse de Jésus à une question des pharisiens sur le moment où le royaume de Dieu viendrait. Après que Jésus a répondu aux pharisiens en ces termes, « Car voici le royaume de Dieu est parmi vous », il continue son discours en s'adressant aux disciples sur la venue du royaume de Dieu en disant « Personne ne sait quand ni comment, seulement le Père ». Le message de Jésus derrière cette réponse est double. Le premier est « Soyez prêts ». Et le second est « Sachez que la transition vers le règne de Dieu entraînera une perturbation grave et déchirante de l'ordre normal actuel. » Très souvent, l'acceptation du Christ provoque des changements dans notre vie. Elle change notre manière de concevoir ou de percevoir les choses de ce monde. Elle change aussi notre manière d'agir. Les deux messages sont liés. Être préparé signifie, entre autres, mener notre vie maintenant de manière à manifester la présence du royaume de Dieu. Ce faisant, la perturbation sera minimisée. C'est dans cette perspective que nous devons comprendre la première lecture du jour. En effet, Saint Jean adresse cette lettre à la dame élue. L'identité et le rôle de cette dame dans l'Église ont été discutés. Elle est considérée comme la communauté chrétienne ou l'Église notre mère. Mais aujourd'hui, chacun de nous peut s'identifier à cette dame pourvu que nous marchions dans la vérité et vivons comme des gens qui s'aiment vraiment entre eux. En adressant cette lettre, Saint Jean rappelle à la communauté chrétienne et à chacun de nous de vivre selon le plus grand commandement de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Et à rejeter en outre l'enseignement des imposteurs, ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas venu dans la chair. Car aujourd'hui, ils sont nombreux ceux qui prêchent le gain facile, ceux qui prêchent d'autres évangiles que celui du Christ. Ainsi, nous ne serons pas surpris ou perturbés par la présence du règne de Dieu. Mais au contraire, nous aurons à la fois le Père
et le Fils a loué. Et nous recevons certainement notre pleine récompense, comme le dit le psalmiste. Heureux sont-ils ceux qui suivent la loi du Seigneur. Frères et sœurs dans le Christ, pour minimiser la perturbation de la fin des temps, nous n'avons pas besoin de faire des choses spectaculaires ou extraordinaires, mais tout simplement, faisons bien ce que nous avions à faire avec beaucoup d'amour. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être toujours prêts à l'accueillir quand il viendra. Amen. Soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.